to keep fighting for that moment. Terrified that you won't show it. All the things you left unspoken, saying them seem so easy. Alors, c'est quoi? C'est Batman, Sim City, le V, je sais pas ce que c'est. Et le iOS qui m'envoie des œufs, je me suis endormi, j'arrive dans 5 minutes. Alors, on va prendre un Batman, parce qu'on va tourner un thème au gang, en fait, là, dans un peu de temps, donc on va tourner un peu. Alors, hey, hello Emily, what's up, nigga? Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Je sais, ça fait depuis longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ne t'inquiète pas, no worries. Il n'y a pas de problème, ma gueule. Alors, I just been going through a lot lately. Je pensais juste à propos. De la dernière FNLK, what's been like what je pourrais pas vous traduire cette phrase, je n'en sais aucune idée. I just been going through a lot lately. Everything okay, je lui ai demandé est-ce que tout va bien, alors même si je comprends pas la phrase, mais ça m'a l'air d'être ce style là, on va dire. Yeah, everything is fine, donc oui, tout va bien. Écoute, j'aurais espéré qu'on pourrait parler de choses. Bien sûr, dis-moi. Qu'est-ce que c'était? J'ai juste senti des choses bizarres entre nous. Have you felt like that? As-tu ressenti ces choses-là? Oui, j'ai ressenti, oui. Non, je suis bête, ah, putain, j'ai un peu de dire ça. Oui, j'ai ressenti aussi, mais non, j'ai un peu de dire ça, t'es bête, putain, Vincent, t'es con. Je pense que c'est à cause de l'année dernière. Les choses étaient bizarres depuis que je suis venu. Vincent, t'es mon god bees, sois honnête avec moi. Avais-tu prévu que nous pourrions hook up? Ça veut dire quoi ça, hook up? Ah mais cette phrase-là, là, d'appeler, sois honnête avec moi, genre ça, c'est pas, c'est dans le sens méchant, non? Attendez, du plein hook up, que nous pourrions hook up, c'est quoi hook up? Alors là, les gars, genre of course not, faut mentir dans ces cas-là. non, je n'avais pas prévu ça. Qu'est-ce que ça va me dire? Ah, attends, je vous traduirai ça après, mais je suis en train de comprendre. En gros, elle lui a dit, ok, juste en rétrospective, ça me semblait totalement planifié. Je veux dire, nous avons été à des parties chaque nuit, et nous avons bu beaucoup. Voulais-tu vraiment que nous buvions? Of course not, faut mentir les gars dans ce cas, faut mentir. Nous avons juste bu beaucoup. Tu voulais
Efface, efface, efface. I don't know, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais, c'est juste. Non, je suis juste. Je ne sais pas. Que se passe-t-il là? Dites une. Attendez, je vais chercher ellipse, je vais chercher ce que c'est hookup. Parce que là, genre, ça me fait peur cette histoire. Alors, on va sortir notre micro anglais en direct, les amis. Alors là, je vais tomber tout et n'importe quoi sur mon bureau. Alors, hookup. Qu'est-ce que ça veut dire, hookup? Hook. Hookup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ma gueule? Alors, hold. On apprend l'anglais comme ça avec le thème au quotidien, c'est cool ça. Alors, hook, c'est hookup. Hookup, en gros, ouais, c'est genre. En gros, c'est, bah, si je comprends bien, c'est se brancher, quoi, genre sortir ensemble. Sortir ensemble. Did you not want to hook up? Did you have a bad time? Est-ce que tu as eu un. Ouais, genre, pourquoi tu me demandes ça? C'est quoi le problème? Genre. Bon, en vrai, c'était totalement prévu. Hein. Non, j'ai pris du bon temps. Enfin, je voulais la pêcher, c'est sûr. C'est juste que ça s'est passé très vite. C'est juste. Made me feel different. C'est juste que ça m'a fait me sentir différente. Je suis désolé, ça a l'air d'être de la gêner, donc on va s'excuser. Je suis désolé si ça t'a rendu bizarre, si tu t'es senti bizarre. C'est bon. J'ai juste souhaité que les choses se passent différemment. Est-ce qu'on se. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc. Hein. Apparemment, genre, de ce que je comprends, ils ont bu, genre. Oui, au moins, je pense. Donc, en fait, ça va se terminer. Je suis désolé. Les choses sont juste totalement différentes, totalement bizarres maintenant. Mais merci d'avoir parlé avec moi. Merde, bon, elle nous met en touche, là, bon, elle nous dégage. Ah merde, on s'est foiré. Nos problèmes attendent. So, how is school and everything going? Ok, donc comment va les cours? Est-ce que tout va bien? Bah écoute, on va rester dans la situation. It's good. Le lycée, ça passe vite en gros. Et comment va ton ami Mike? Il dit ok, c'est toujours mon ami. C'est mon seul ami alors on va prendre. Hein. il est devenu plus sérieux avec l'école et plus. Stuff with little. Compétent, je veux dire. Ouais, ça. Ouais, c'est chiant quand les gens changent. Et que est devenu ton amie Emma? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Parce que bon, hein, c'est pas que je l'aime pas Emma, mais d'ailleurs je connais une Emma, donc salut Emma si tu vois cette vidéo. Je raconte ma vie, c'est pas grave. Et c'est juste une amie ou c'est juste une amie? C'est juste une amie. T'inquiète pas pour ça, mec. Oh, d'accord. Je suis désolé. Je ne pense pas que nous. Je ne pense pas que je pourrais faire ça maintenant. Do what? Qu'est-ce que. De quoi tu parles? Putain, elle sort des phrases comme ça sans pression, genre c'est. Juste parler normalement. Je dois y aller bientôt, mais nous parlerons encore après. Of course. Mais elle est bizarre, ça, franchement. Ça, c'est bien les filles, tu sais. Bien sûr, au revoir.